qui est connu en ayant fait énormément de choses. Il a un talent incroyable et j'ai eu la chance de faire pas mal de morceaux avec lui en duo pour Jean-Christophe Aperti. Claude Bolling au piano. De la Nouvelle-Orléans, puisque c'était une des compositions les plus fameuses de Scott Joplin, qui était un pianiste emblématique de cette musique qui est tout à fait caractéristique de la Nouvelle-Orléans, qui était le ragtime. Je voudrais jouer pour vous un autre ragtime qui est le Mississippi Rag. Thank you.
par Fabienne Medina, qui est une merveilleuse chanteuse qui va évoquer la Nouvelle-Orléans par la chanson qui a été créée dans le film New Orleans par Louis Armstrong, du You Know What It Means to Miss New Orleans. Non, on fait ça. Ok. Avec Fabie, nous allons, Fabie va chanter quelque chose que j'ai composé pour le film de Philippe de Broca qui retracerait la Louisiane avant même l'apparition du ragtime, donc du jazz, et à l'époque où la musique populaire de la Louisiane était la valse. C'est pour ça que pour le film de Philippe de Broca,
où on les a composé une valse qui s'intitule La Louisiana Waltz, que va chanter Fabi pour vous. Merci. Influencé par la musique de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans, c'est comme ça qu'il a composé beaucoup de choses, dont Somebody Loves Me, que
que Marthe va chanter pour vous maintenant. Somebody loves you. Somebody loves me, I wonder who she can be. Somebody loves me, I wish I knew who she can be. Thomas et Fabien pour quelque chose qui est tout à fait caractéristique de la musique de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane, qui est le Basin Street Blues. Thank you.
Et la Suisse sur le gâteau.